question, où est-ce que je stocke mes vidéos? Voilà. Donc j'ai dû donner mon MacBook hier, hein, en boutique Apple, vous savez. Et du coup, bah, maintenant, la problématique que j'ai, c'est comment je fais pour stocker mes vidéos. Et donc, j'avais pensé utiliser les ordis de l'hostel où je suis pour pouvoir transférer mes vidéos de ma SD card qui est là-dedans à mon disque dur externe. Et ben, ça marche pas. En fait, depuis que je suis ici, tous les appareils électroniques que j'utilise, j'ai une merde avec tous. Il n'y a rien qui marche. Alors ça va que je me laisse pas aller, enfin que je me laisse pas abattre surtout, mais j'ai une merde avec tout. Genre même la GoPro là, qui est toute neuve, qui a une semaine, j'ai déjà eu des emmerdes avec quoi. Mais enfin non, je pense que c'est un problème de carte SD, qui était très bien pour l'ancienne GoPro, mais qui est peut-être pas au niveau pour la nouvelle. Il devrait sans doute falloir que j'en achète une autre, encore. Et bref, du coup, ça m'a obligé à visiter un autre endroit. On va à la librairie Victoria. Je vous l'ai déjà montré de l'extérieur, mais là on va rentrer dedans. Puisqu'apparemment, la dame de la réception m'a dit que ils avaient des ordis gratuits à disposition et tout. Ah, regardez! Donc, ça, c'est le tram qui fait le tour de la ville. C'est très touristique, hein, la City Circle Tram. Tram, c'est mieux. Et donc voilà, il fait tout le tour de la ville. Pour vous emmener sur tous les points qui peuvent être intéressants dans le CBD. Hein. Enfin, tout le tour du CBD, pardon. Donc vous retenez, CBD Free Tram Zone. Vous ne payez pas le tram dans le CBD. Donc ce tram est gratuit. Il fait tout le tour. Voilà, donc on va, comme je vous ai dit, à la grande bibliothèque Victoria, librairie Victoria. Du coup, pour visiter un peu. Et pour espérer trouver une solution, parce que là il me reste 1h30 de vidéo de stockage, sachant que la carte SD déconne un peu. Ça peut se terminer d'une seconde à l'autre. Ah, quel suspense! Bon, maintenant vous connaissez le chemin, hein. Je longe ce qui est ici, donc la vieille, l'ancienne prison de Melbourne, Old Jail. Que j'ai pas visité parce que c'est 25$, faut pas déconner. Et donc la librairie, elle est là. Mais on va faire le tour. Ici vous avez la RMIT University, qui a établi aussi ses quartiers, il me semble, dans la vieille prison de Melbourne, d'ailleurs. Et donc, librairie Victoria, qui est aussi face à Central Station, qui est donc une gare. Pour aller un peu partout, mais qui n'est pas la Flinders Street Station, qui est un peu plus loin, qui a 3 stations de tram et qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus, enfin, qui dessert beaucoup plus d'endroits quoi. Bon, non, mais de toute façon maintenant ce coin là vous le connaissez, je marche ici tous les jours quoi, tous les jours je finis par aller ici quoi. Vous voyez, librairie juste là. Ah bah oui, mais il y a un gros arbre, alors on voit rien. C'est là aussi on voit les pigeons côtoyer les mouettes. Ici. Ah, et on a des écolières. Ah bah vous voyez là, c'est le free tour auquel j'ai participé. Ah bah oui, c'est l'heure. Ils sont moins nombreux aujourd'hui, c'est mieux. Ok, on rentre à l'intérieur. Alors, book an Ethernet computer here. Ok. J'espère que c'est pas la file d'attente pour avoir les ordi, parce que sinon je suis dans la merde. Ah. Yeah. Non, on va le faire là. Ok. Bon. Du coup. Ouais. Eh ben, ça donne vachement envie ces ordinateurs. Hein. Yeah, ok. That's... 2h55, ah, c'est l'heure à laquelle je vais avoir mon...
je dois attendre 20 minutes pour avoir 30 minutes d'ordinateur. Ok. Je sais pas si c'est une bonne solution parce qu'en 30 minutes, je suis pas du tout certaine d'avoir le temps de. De faire tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire de transférer toutes mes vidéos. Bon, bah gros fail again, hein. Il y a des journées comme ça. Non, en fait, le concept est très bien. Vous avez droit à 30 minutes d'internet gratuit avec dans la librairie Victoria derrière moi. Donc c'est cool si vous voulez regarder une série, naviguer sur internet, etc. Mais pas si vous devez télécharger des trucs, quoi. Voilà. Moi, c'était galère, ça marchait pas, ça se bloquait tout le temps. J'ai pris deux sessions, j'ai perdu une heure et au final, bah, j'ai rien sauvegardé. Voilà. Regardez, c'est sympa. Parce que celle-ci déconne un peu. Et puis pour avoir un peu plus de mémoire, parce que ben, tant que je ne trouve pas un ordinateur, c'est compliqué. Mais je pense que je vais essayer de me trouver un café internet, un truc comme ça. Il y a des bons vrais ordinateurs qui marchent. C'est... Et où je puisse du coup sauvegarder toutes les vidéos, parce que là il me reste plus qu'une heure trente de vidéos à filmer. Il n'y a plus beaucoup de batterie d'ailleurs, soit dit en passant. Donc bon. Merde, l'emporium, c'est bon, je crois que c'est tout droit. Moi, je me retrouve un peu plus tard, maintenant il faut que j'économise.